Bonne année à tous, ma gang de vous autres. J'espère que vous avez passé un super bon temps des fêtes. Ah, merci, c'est fini. C'est fini le temps des fêtes. Là, je suis tanné. Là, ça fait genre 3 vidéos, 3 lives de suite que je suis juste comme. Bonne année, là, le chenille. Le temps des fêtes, c'est fini, là. Retournez dans vos familles. Retournez dans vos maisons, là, les familles. Pis ça, là, ça va aller l'année prochaine. Fait que. Bonjour et bienvenue à la partie 2 de Mega Man X. C'est le niveau que je vous parlais hier, justement, la fameuse fonderie qui est toute glacée. Je vous en reparle plus, là. On va essayer de juste monter ça ici parce que. Ah, ok, c'est pas pire, je m'en viens bon. Ça, c'est comme un des jumps les plus difficiles du jeu. Je vous laisse à la cotine, puis je vous reviens. Cette capsule contient une pièce qui augmentera les capacités de ton canon X. Tu peux l'utiliser pour tirer avec tous les types d'armes. Fait que là, comme le vieux monsieur disait, là, ça va être un upgrade de gun. On va avoir un plus gros gun. Fait que dans le fond, l'upgrade de canon, c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas juste ton charge shot qui est upgradé, c'est aussi toutes tes autres weapons. Donc, mettons genre. La glace ferait genre une plateforme de glace qui va nous servir pour le prochain niveau. Une tornade, c'est genre une tornade verticale qui fait juste vraiment mal. Puis feu, je m'en rappelle pas. Ben de toute façon, on n'a pas accès au feu encore. Là, c'est ça, je parlais avec quelqu'un dans les commentaires. Ce niveau-là, c'est bien rare que le monde voit la version originale du niveau parce qu'il voit juste la version plein de lave. Non, voilà, la version glacée, parce que dans le fond, tout le monde commence par Chill Penguin. Moi, j'ai tourné ce que j'appelle les paradoxes. Wouh! Ça va être full malade au montage. Dans le fond, tous les niveaux qui ont un effet qui ont un effet qui change selon l'ordre des niveaux, je les ai tous pré-recordés comme ça, genre. Je vais vous montrer un maximum de choses que je connais du jeu. Ça fait que ça, je trouvais ça cool en tant que tel. Fait que, tu sais, ça va être si il me laisse. Genre, probablement, là, ça fait déjà genre deux fois que je vous ai mis un paradoxe en face, puis je le sais pas encore. C'est ça qui est malade, les magies du montage. C'est aussi un niveau qui a comme extrêmement de d'upgrade. Genre, l'upgrade de canon, l'upgrade de point de vie, la e-tank en plus. Je pense en plus le deuxième niveau qu'on va faire aujourd'hui, il y a genre un upgrade pis that's it. Si vous restez jusqu'à la fin, ma gang de vous autres, j'ai même une scène bonus pour vous autres. Genre, vous allez être probablement genre être comme waouh, genre j'ai vu la scène, ou waouh, je l'ai skip, ou genre waouh, genre c'était juste ça. Mais ça va être malade. J'ai juste à dire que genre. Le premier niveau que tout le monde devrait faire, c'est Chill Penguin. Parce que genre ça te donne les jaunes. Mais en plus de ça, ça rend le niveau. Tellement genre obsolète parce que genre le vrai danger du niveau c'est la lave, puis là t'as juste pas de lave, fait que ça rend le niveau genre encore plus facile déjà que comme d'utiliser le dash, ça te permet de se déplacer plus facilement, genre les joies de ce niveau là. Aussi on a la faiblesse du boss, fait que on va faire ce boss là avec la faiblesse, puis à la fin dans le boss rush on va le faire sans le. Sans sa faiblesse. Sa faiblesse dans le fond c'est les tornades. Sa faiblesse dans le fond c'est les tornades. C'est pas un boss qui est difficile, c'est vraiment un des boss que genre. Si vous faites pas Chill Penguin en premier, c'est quand même un boss qui est faisable. Puis rendu à la fin du jeu, quand on va faire le boss rush, j'ai un autre petit secret à vous montrer avec ce boss là, mais on n'a pas l'arme nécessaire pour vous montrer le secret. Genre, pourquoi que c'est un des boss qui est facile à battre en tant que tel dès le début du jeu, c'est que ses patterns sont quand même très. Bon, je dis que ses patterns sont faciles à suivre, mais genre, j'étais en train de legit mourir, là, mais. Ça, faites attention quand il jump, genre, il peut nous mettre sur le cul. Comme une bonne grippe après un genre 7 décembre. Je voulais dire un 7 janvier, mais c'est correct. Là, je vais faire attention parce que genre, il me pitch une boule de feu, puis je suis mort. Good! Zéro mort, guys! Le compteur officiel de mort de cette série-là, zéro! Genre, on va prendre le temps s'il faut de reprendre l'épisode 1 pis genre, couper au montage que je suis mort une fois, là, m'a le faire. Ouais, mais tu sais, t'as même pas pris le temps, genre, de refaire l'épisode 0 pis pourtant, genre, ton audio est glitch. Fait qu'on a eu Fire Wave, une des meilleures armes contre les petits ennemis.
By the way, sur le deuxième niveau, justement, on va utiliser les armes. Ça fait que dans le fond, en théorie, on a fait genre... Storm Eagle qui donne la faiblesse de Flame Mammoth. Flame Mammoth donne le weakness à Chill Penguin. Puis Chill Penguin est censé nous donner le weakness de Spark Mandrill. Ça à faire, c'est qu'on fera pas Spark Mandrill tout de suite, on va faire Boomer Coanger avant. Ce qui est drôle de Boomer Coanger, c'est que son stage était un des stages que je détestais le plus avant parce que c'est un niveau vertical. Puis finalement, genre, je me rends compte que genre, je l'aime vraiment ce stage-là. De un, la musique est cool, puis de deux, genre, ça fait justement différent. Puis là, on va utiliser les armes spéciales en plus. Parce que, à cause de ces petits messieurs-là, genre, c'est un peu comme la merde, mais genre, Shotgun Ice te permet de tirer sur les murs. Genre, de faire des rebonds sur les murs, pis tout, fait que c'est super pratique. Si, genre, carrément, je peux juste me planter là, puis genre, ça pogne les ennemis. Genre, ça. Là, on va utiliser la tornade pour bloquer ceux qui se drop ici. Là, c'est sûr qu'on va se manger les lasers parce que, genre, je manque de talent. Puis, genre, ça me tente pas de courir. Ça me tente que ça soit, genre, plus cinématique, plus slow. Notre petit lance-forme qu'on a ramassé. Contre ces tortues-là, puis je le mentionne parce qu'on on va s'en rebattre souvent contre des tortues de même. La tornade, ça fait super effet. Si je peux dire ça de même, là, mettons pour les petits ennemis qui se promènent sur les murs, Shotgun Eye, c'est excellent. Contre les gros ennemis, c'est la tornade. Puis contre les tout petits ennemis, je dirais genre le feu, ça fait la job en crif. Ça, je me rappelle aussi là, cette partie-là du niveau là, je pouvais mourir souvent parce que je l'ai pas dit encore, mais les pics dans Mega Man X, ça te one shot kill. Puis genre les plateformes avec les pics, genre moi je me pognais dedans tout le temps puis je mourais, genre c'était minable. Genre, pas le niveau qui était minable, c'est moi qui étais clairement minable. Mais là, le petit last form, c'est ça. Ça nous permet de justement, genre, swiper ces ennemis-là rapidement. C'est sûr qu'un charge shot, ça ferait la job, mais comme... Tu sais, de garder le charge shot chargé, tout ça, genre... Surtout pour vos petites oreilles, là, je pense pas que ça vous tente d'entendre... Pendant, genre, 20 minutes. C'est pour ça que, genre, j'essaie de, comme... Pas le garder chargé trop longtemps pour rien. Parce que je pense que j'avais fait ça, je pense, pour la partie 0. Je gardais mon charge shot allumé, puis je suis genre... Là, je réécoutais, puis j'étais comme, man, c'est pas agréable à écouter. Fait que là, j'ai retourné faire la partie 0 au complet pour, comme, m'assurer que ça soit pas désagréable pour vos petites oreilles. Fait que là, ce petit cœur-là... techniquement, il nous faudrait l'arme de ce niveau-là. Mais je peux aussi la cheese in même. C'est ça qui est merveilleux de Mega Man X puis Mega Man X2. X3 puis X4, je m'en rappelle pas assez. Mais pour X1 puis X2, tu peux carrément, genre, pogner les upgrades de plusieurs façons différentes. À part, mettons, les upgrades qui te demandent absolument le casque pour péter les briques. Ça, t'es obligé d'avoir le casque qui brise les briques. Mais sinon, genre, la plupart des affaires, tu peux les ramasser de façon différente. Aussi, contrairement à d'habitude, je vais utiliser mes sub-tanks, puis pas genre juste les garder comme un gros sale, puis finalement juste jamais les utiliser, puis mourir contre les boss. Si je suis capable de me rendre, là, parce que genre, je suis pas capable de monter en haut, ça a l'air. Non, rien. Il me reste quoi? Bah, il me reste... Yes, guys! On vient de gagner 3 points de vie! Ouais! Donc, Boomer Coanger, on n'a pas son weakness, fait qu'on va le faire sans weakness là, puis pendant le boss rush, on va utiliser son weakness. C'est pas un boss qui est ultra compliqué, par contre, à un moment donné, genre, quand il tombe midlife, genre, il commence à faire chier, puis il arrête pas de se téléporter, puis il est pas pognable. Mais ce que j'ai réalisé pendant mes runs de pratique, c'est que je peux juste utiliser les tornades, mettons, puis genre, avec les tornades, ben, genre, le hitbox reste assez longtemps pour le pogner. Fait qu'on va faire ça de même. Comme là, genre, il veut pas se laisser pogner. Puis il fait mal comme un sacrifice de train, fait que... On va juste mettre la... On va mettre les tornades, regarde. On va attendre qu'il arrête de se téléporter. Ok, il a décidé de se calmer. On va retourner avec le buster, parce que le buster fait vraiment plus mal. Ah non, 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 ah! Non, non, il faut que je reste à zéro mort. Faut que je reste à zéro mort, guys. Sinon, il va falloir que je coupe ça au montage. Il va falloir que je coupe ça au montage, non! Zéro mort, zéro mort, zéro mort, zéro mort. Ah!
Ok, on ressort la... On ressort la tornade. La tornade de Quinoa! Je viens de faire une référence à Naturo, ma gang de vous autres. Zéro mort, gars! Zéro mort! Là, il faudrait genre juste que je sorte le montage de Pain dans Naturo qui dit « Oui, mort, si blessé. Je pète ma bière. Ma loubouloule! » Si je suis capable de le retrouver, je le mettrai. Si je suis pas capable, ben, too bad, so sad. Genre, ceux qui savent, vous le savez. Ceux qui le savez pas, vous le savez pas. Fait que, guys, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Puis, oublie pas, demain, c'est la finale de Majora's Mask. Puis, on vous dit à vendredi pour la suite de Megaman. C'est vrai que vous pensez que c'est fini, mais je vous l'avais dit, il y a une partie bonus, ma gang de vous autres. On s'en va chercher une pièce de cœur! Fait que let's go, on speedrun le niveau comme des sales. Là, genre, vu qu'on a le feu, on peut genre speedrun the shit out of it, man. Ça te malade. Genre, bienvenue à 21XX. Puis là, genre, je pourrais remettre le mink. Ok. Préparez-vous, il va y avoir une version 10h, by the way, de cette vidéo-là. Ça te malade. Si je suis capable de me rendre sans mourir, là, bien sûr, parce que comme partie comme c'est là, je suis en train de me tuer plus que d'autres choses. By the way, c'est la seule fois qu'on va backtrack de la série au complet, fait que genre... Si vous regardez ce bout-là, vous êtes juste cool. Si vous regardez pas, ben genre, vous avez manqué le bout cool. Pour vous inciter puis savoir qui a regardé ça, faites juste dire dans les commentaires, moi, je suis vachement cool, pourquoi? Genre, ceux qui vont dire dans le chat, je suis vachement cool, je veux savoir que vous êtes des real OG motherfuckers. Oui, vous êtes des motherfuckers. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc ici, on va chercher notre dernier morceau de cœur, ma gang de vous autres. That's it, c'est juste pour ça qu'on venait ici. Gros backtrack de fou, that's it. Là, on se dit à bye à demain. Pour de vrai. Bye!